Laissez tomber vos conneries, moi j'ai une histoire vraie. C'était un groupe de potes de fac, exactement comme nous. Ils étaient venus faire un petit peu de camping. Faut pas rester là, ça me fait flipper. Mais ce qu'ils pouvaient pas savoir, c'est qu'ils étaient pas seuls ici, dans cette forêt. Alors les filles, on va camper? Tu sais, Dale, j'en reviens toujours pas. J'arrive pas à me dire qu'on a notre maison de vacances. D'accord. Non mais ça va pas. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es malade ou quoi? Oh non! Ils l'ont enlevé! On a votre ami, mais pourquoi ils s'en vont? Chad! C'est les pousseurs! Ils ont capturé Allison! Venez voir, je pense qu'on les a retrouvés. C'est une vieille maison en bois, c'est tout. Ça veut pas dire que c'est des tueurs en série. Tirez-vous! Il y a une tronçonneuse! Tout ça, c'est un énorme malentendu. On va s'expliquer tranquillement, tu vas voir. Il suivrait pas un traitement particulier. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils ont oublié de le prendre. Ils ont décidé de venir se suicider ensemble dans la forêt. Et bien sûr, ça peut être que ça. Ils s'estaient dans le broyeur, la tête la première. Tucker et Dale ne voulaient pas en arriver là. Ces monstres sont le mal incarné. Et ils vont recevoir le châtiment qu'ils méritent. Ce gamin, il fera bien d'aller consulter. Je vais te décrocher de là. Attends. Oh, tu t'es fait mal. Super les vacances. Vous allez crever, bande d'enfoirés! Non, 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 non! Faut que t'enlèves le cran de sûreté, là, sur le côté.